Tout d'abord, moi je m'appelle Tom Krapp, j'ai 22 ans et ça fait quelques années que je fais des arts martiaux ici à Phoenix ADA. J'ai découvert cette salle par mes grands frères qui donnent cours justement ici, des cours de boxe thaï pour enfants, mixtes et ladies. Donc c'est mes deux grands frères, Maxime Krapp, Louis Krapp, qui sont vraiment plus, qui ont plus été dans ce sport-là de boxe thaïlandaise, qui m'ont vraiment appris tout ce que je devais savoir par rapport à ce sport de combat. Moi, ça fait vraiment 3 ans que je suis sérieux ici dans cette salle, sinon je m'entraînais plus avec mes frères à la maison. Donc je baigne dans ce sport depuis tout jeune, mais je pratique vraiment sérieusement depuis 3 ans. Je donne quelques fois des cours, je remplace du coup mes frères quand ils ne peuvent pas être là. Voilà, donc moi, si je suis dans cette salle, c'est pour son côté familial, son côté vraiment accessible à tous, parce que y a vraiment une philosophie, franchement, une philosophie ouverte, une accueillante, et voilà. Donc je suis arrivé ici par mes grands frères, c'est eux qui m'ont vraiment initié à cet art martial, la boxe thaïlandaise. Pourquoi la boxe thaïlandaise? Parce que c'est vraiment pour moi le sport de combat le plus complet. Après le MMA bien sûr, mais c'est l'art martial en tout cas le plus complet. On utilise donc les poings, les coudes, les jambes et les genoux. Donc c'est vraiment un aspect différent de par exemple la boxe anglaise où on va vraiment juste utiliser les poings. Donc pour moi c'était l'aspect complet de la boxe thaïlandaise qui m'a plu, qui m'a vraiment titillé l'esprit et qui m'a donné envie de continuer les sports de combat. Et pour en revenir à mon arrivée à Phoenix, je crois que c'est mes grands frères Max et Louis qui ont été entraînés par Joël ici dans cette salle, qui ont eux fait de la boxe thaïlandaise puis du jiu-jitsu, et ils ont repris le cours de boxe thaïlandaise après certains combats qu'ils ont faits. Et donc voilà, j'essaye de suivre la lignée familiale.